Match de conclusion, Sector 1 face à Vitality, mon cher Renaud. Très exactement. Donc, des Vitality qui sont ici pour nous montrer de quoi ils sont capables. C'est que Sector 1 est une équipe un peu piégeuse. On le sait, exactement. Vitality sont en grande forme en ce moment. Leur place dans le top 4 est assurée. On le sait statistiquement. Je crois qu'ils ne peuvent plus être inquiétés. Exactement. Donc, maintenant, on a bien vu que tout ce qui se joue en ce moment, c'est la deuxième place potentielle. Vitality peut y prétendre. Et cette deuxième place, elle ferait beaucoup de bien pour avoir des playoffs, on va dire, plus aisés. Avec MD qui s'est imposé tout à l'heure, la Carmine qui vient de perdre ici, je pense qu'ils ont l'occasion de rester dans le trio de tête de la Ligue et donc d'avoir cette chance de jouer peut-être des excellents playoffs. Alors, on va avoir les vétos directement avant de vous rappeler justement que du coup, évidemment, c'est le top 6 qui jouera les playoffs et le top 2 qui passera le quart pour directement accéder au demi. Et pour prétendre à ce statut de deuxième de la Ligue, Vitality va devoir braver des Sector 1 sur Ascent. Sur Ascent, exactement. Donc, c'est un choix qu'ils ont déjà utilisé à plusieurs occasions. Bah, notamment, le match le plus marquant, c'est contre la Carmine. Un match vraiment dominant de leur côté. Dans une agression générale, c'était franchement une excellente performance de leur part. Maintenant, Sector 1 sur Ascent, ma chère Emma, j'ai pas plus de souvenirs que ça. Je me souviens qu'on avait, on avait joué dernièrement avec notamment Idex qui était revenu sur sa Killjoy légendaire et qui avait quitté le job de contrôleur. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Il me semble que c'est un 12-14 face à Beat Genius, un 7-13 face à Mandatory et un 13-9 face à Valor Morghulis. D'accord, donc on a quand même une victoire de défaite, des défaites qui sont pas non plus des... pas non plus des stompes énormes, un match contre Beat Genius un peu accroché. Il y a des armes, en effet, mais voilà, comme je le disais, aux dernières nouvelles, Vita, ça tapait très très fort sur Ascent. Ouais. Moi, je me souviens notamment, vraiment, c'est leur style de défense qui m'avait assez choqué, où ils avaient eu aucune hésitation à courir, à être agressif, à aller se battre pour la moindre zone. Donc, je pense qu'on pourrait avoir... Au-delà de Vitality, tu vois, j'ai pas trop d'autres sur Vitality, c'est plus Sector 1 où je me demande qu'est-ce qu'ils vont donner sur la game, est-ce qu'ils vont être capables de les tenir dans ces premières secondes, quoi. En fait, je veux pas paraphraser encore une fois ce qu'on disait au pré-show, etc. Mais dans l'idée, on a quand même deux équipes. C'est pas comme le match d'ouverture, c'est pas comme OG face à VMS ou à la rigueur Beat Genius face à Wild ou des matchs comme ça où c'est deux équipes qui ont relativement le même statut, tu vois. Pour moi, Vitality a plus confirmé, c'est un euphémisme même, que les Sector 1 qui se cherchent encore, d'où les changements de rôle. On est dans deux paniers différents. Vitality, c'est le haut du tableau et les Sector 1, on sait pas encore si c'est le haut ou le bas de tableau. Ils sont pile poil entre les deux, un peu comme Wild. Et en vrai, voilà ce qu'on expliquait sur le pré-show aussi, c'est que s'ils sont impeccables à partir de maintenant, s'ils remportent leurs 4 games, ils peuvent encore espérer aller en playoff. Donc c'est pour ça qu'on s'interroge particulièrement sur la forme qu'ils peuvent avoir dans les matchs à venir, avec les agents qui vont pouvoir être dévoilés ici sur la map, la map à venir. Ascent donc. Du côté des Vitality à gauche, on retrouve un Atank sur un Keio, Ibler sur la Jett, très bien. Badiji, ça sera le Omen, Bonecall, le Sova, et on prend quand même une Killjoy pour Zender. Ouais, Olizera du coup qui retrouve cette Killjoy, ou la paire en fonction d'Idex et ses choix. On se le passe. Martigno, donc ça sera un Sova. Cooper sur, son Keio, pardon, je le mets genre, autant pour moi. Et Saiko sur Jett. Une copie conforme de ce qui se joue aussi chez Vitality. C'est ça. Donc ça va être... il n'y a pas de confrontation d'école. Un bon gros match miroir. Donc à noter qu'on a deux outils de chaque côté pour détruire les confinements. Moi je fais toujours attention à ça. Dès qu'il y a une Killjoy dans une game, qu'est-ce qu'on a pour le détruire? Le Sova avec les flèches, avec l'ulti. Le Keio avec le fragment, même s'il faut avoir les repères. Donc déjà on peut partir du principe que les Killjoy peuvent peut-être un peu souffrir dans ce match-up. Ouais, clairement. Surtout à partir du moment où il y a un Keio, de toute manière, on sait que les sentinelles ont de la sueur qui perle sur le front. Voilà. C'est exactement ça. Et dans l'idée, en plus, tu l'as évoqué, on a un Sova en plus, donc à voir ce qui va en être. On va partir en game tout de suite, accrochez vos ceintures. On va pouvoir partir sur ce pistol, accrochez bien vos ceintures. Vitality contre Sector 1. Les Vitality sont en défense, encore une fois. Voilà, la défense que je rappelle avait été extrêmement agressive et notable contre la Carmine. Oui. Je suis très curieux de voir si on va voir la même chose ici. En tout cas, ça sent l'agression short quand on voit ces deux joueurs ici collés à la barrière. Ouais, très clairement. Et c'est plus ou moins ce qui avait été déjà acté. On le rappelle, ce push de Amilois qui jouait le middle et qui du coup a complètement été encerclé par ce push.
Et ça poche aussi le mail. Exactement, c'est, le même, c'est la même chose que pour la, contre la Carmine. Ok, alors déjà Olisera est mis sous pression, même s'il esquive la flèche en se mettant dans le recoin, mais on a l'air de savoir que c'est un recoin qui n'est pas Jack, il le néglige. Le push, la voilà, l'ouverture et l'agression de Vitality que l'on attendait, elle est présente dès le pistol, une belle ouverture. Ouais, Index ici qui va chercher cette ligne hein, au niveau du premier contact de la short, la porte est déjà morcelé, Sender l'a abattu, c'est à Iber de prendre la distance et surtout de pouvoir dash out, il n'en fera rien. Sender marque une élimination avec ses nanites certes et c'est à Nathan qui a Sender d'en marquer une doublée. Ouais, Mark T, ça touche le spike, la flèche est bonne, excellente même, mais ça ne tuera pas le joueur qui désamorce, par contre c'est tir, ok, mais ça a été désamorcé pendant ce temps-là. Sender signe un triplé, belle beau round déjà des Vitality, l'agression, la retake, la violence dans les duels, tout est là. Ouais. Jusqu'ici, il y a juste Iber qui passe un petit peu à côté de son round. On le voit se prendre un gros clic droit. Il a négligé complètement la ligne d'idée. Ouais. Il cross la smoke à ce moment-là, il me semble. Après, il fait ce qu'on attend de lui. Ouais, il a fait une ouverture sur le flush B. Oui, c'est voilà. Vrai que c'est lui qui me Il fait sauter les lignes, ouais. Il fait sauter les crossfire, révèle les positions de l'adversaire. C'est la dueliste. Le dueliste qui dive. On a besoin de lui pour faire ça. Et un premier round inscrit par Vitality. Ils vont pouvoir du coup. La arrest direct. Faire ce qu'il y a de mieux. Voilà, exactement. Une grosse arrest sur Bonnefoy. On sait qu'il avait été monstrueux avec sa Odin. Entre autres. Mais donc avec là, sa RS aussi. Ouais, donc là, c'est la petite Odin hein, qu'il possède ici. Par contre, il faudrait que ça joue le B pour qu'il puisse vraiment s'en servir, en tout cas dès les premières secondes. Et vous le voyez, les secteurs 1 ont un autre plan. Ça joue à 5. L'extrémité A, ça s'est saisi du main. Et on va essayer d'accélérer sur cette flèche. La flèche qui va permettre de dash pour Seiko dans le jardin. Le contre-stuff est là, ça ne touche pas, mais on va quand même s'imposer dans le duel. Et c'est quoi trouver le gap. Voilà, l'ouverture pour lui dans le jardin. Il va essayer d'aller plus loin dans la hauteur. Nathan qui tient. Baliji qui le suit. On sait que c'est hauteur. Et on réceptionne ici pour Baliji qui switch au classique. Il veut switch, il veut enchaîner. Pas besoin de recharger, pas besoin de la spectre pour s'imposer. Ouais, quadruple élimination de la part du smoker des Vitality. On a perdu qu'une seule arme, c'est celle d'Iber, il me semble. Ouais. Voilà, donc bon deuxième round en soi. Iber qui était qu'au pistolet, je crois. Donc exactement. Vraiment pas dramatique du tout. Ah, on perd la tank aussi. Ah oui, autant pour moi. Il y a une course à l'économie hein, qui est faite de la part d'Iber. On le comprend, jet en défense. Ouais, il est encore sur un bonus ici juste au shérif, donc ça sera l'opérateur prochain round. Sauf s'il s'impose, peut-être, c'est vrai qu'il faudra voir, mais le bonus semble léger. Arrest, spectre, shérif, il faudrait du gros skill pour pouvoir s'en sortir potentiellement. Ça commence par beaucoup de skill ici, vous le voyez, un chargeur vidé dans le mur pour placer quand même Iber. Hein. Iber en profite et va prendre la ligne de shérif, il va aller plus loin. On agresse encore une fois les deux extrémités dans le même temps et on va se faire quand même coucher par Seiko qui est bien patient. Ouais, on a pris cette ligne un petit peu agressive hein, du côté de Iber. On n'est pas suivi. Bon Cold est littéralement la seule épine dans le pied de Seiko et de ses compagnons. On attend de travailler la short du côté de la défense et on va pouvoir prendre l'information middle. C'est bien fait de la part de Baliji. On joue au tandem avec Natank. Exactement. Sector 1 finit son contrôle, brouille les pistes avec cette smoke middle pour faire croire peut-être à un passage pizza ou à une prise middle globale. C'est vrai que middle, on a quand même un robot d'alarme pour la défense des Vita, mais on n'a pas vraiment de ligne directe. On prend un couteau dans le market. Donc voilà, là on est vraiment en train de faire croire à un passage mid, mais ça ne marche pas particulièrement parce que Vita a réagi en reprenant la short et en ne bougeant pas surtout. Ouais, très clairement, ça se précise pour un A. On va pouvoir envoyer cette grenade au niveau de la short pour empêcher les attaquants d'arriver par la porte. Exactement, on pourra même pas contre-flash, poke-flash et arriver sur le site en cross-smoke. Donc pour l'instant, c'est assez élégant ce que nous propose le Sector 1. Mais Bonnefoy fait littéralement pleuvoir les enfers sur Seiko. Revenge tout de même sur Nathan. Ouais, Nathan qui a déjà pris de gros dégâts par le fragment. On se TP hauteur pour Idex qui va être vu par le drone. Il essaye de s'enfuir. Il n'a pas pris la flèche. Ça va, il va pouvoir rester là en vie. On continue de chercher des travers. Le placement a l'air d'être bon pour l'instant pour les Sector 1. Surtout avec Marty qui arrondit les angles depuis le main. Olisera, ce sera le kill à travers très bien. On essaie de reprendre lentement pour Sender qui est invisible à sa position. C'est Bonnefoy hein, qui attire toute l'attention pour lui. Ce qui permet à cette killjoy d'être encore relativement invisible. Bonnefoy qui continue de courir, on sait qu'il est market avec ce qu'il est en train de faire voilà, en ce moment là, beaucoup de bruit et donc clairement on ne va pas arrêter qu'on va faire des dégâts. Ouais, c'est vrai que Sender attend tout simplement hein, l'opportunité de pouvoir faire une élimination, il en fait deux, presque une troisième, ce sont de très gros dégâts économiques impactés à Sector 1 ici, il n'y a que Martinho qui sauvegardera son shield et son arme. Ça va être un quatrième round difficile pour les Sector 1. Exactement, c'est tout simple hein, ce que Vita vient de faire, mais tellement fonctionnel. Bonnefoy qui attire l'attention, qui se donne un peu, et Sender qui se place et qui attend pour faire ce triplé. Oui, Sector 1 a mis le round, ils ont planté et tout se passait bien jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce triplé de Sender qui vient faire très mal à l'économie. Bonnefoy a upgrade, il passe sur une Odin. On peut réacheter côté Sector 1, mais c'est clairement délicat, ils sont dos au mur économiquement. Mm-hmm.
À l'inverse, évidemment, les joueurs de vitesse sont plutôt bien, vous le voyez, hormis peut-être un Iber qui a un demi-fil. Idem pour Nathan, comprendre l'espace hein, rapidement pour Seiko. On est complètement vu hein, du côté de Nathan. Il va falloir gérer cette pression qui lui arrive dessus. Seiko et Idex s'imposent dans leur duel respectif. Prise effervescente d'espace sur ce BPA, on peut planter. Et jouer une retake, la coupe est bonne. Olizera arrive tardivement sur un middle bien gardé par Sender. Ouais, c'est pas la première fois qu'on voit Olizera, bah, déjà des pistoles en fait. Hein. Olizera un peu excentré par rapport à ses potes, mais qui se fait neutraliser. Le confinement est là et le repère est prêt aussi hein, pour Cupa qui a fait son devoir. Ça tombe pile poil dessus, très bien fait. On va même choper le contre-temps de Sender qui voulait repartir dans le back avec Bonkol qui fait son kill à travers et on la joue quand même. Ça reprend avec ici Index, isolé en plein milieu. L'enchaînement de Seiko qui élimine Bonkol et on sait que le joueur a sauté. Oh ça pose, c'est un 1v1. On est en train de glisser ici. Hein. Sector 1 avait quoi? C'était du 4v2 je crois. Et là on se fait vraiment très peur. C'est encore Marty qui se retrouve en clutch. Il n'a pas son ulti. Il n'a qu'une flèche qu'il va mettre dans les pieds. Iber qui a fermé la porte pour le fun. Une flèche, une décale. C'est la smoke qui protège. On tient et dans la peur, on met même le headshot pour Iber. La reprise qui passe. Franchement j'y croyais pas. C'est incroyable. C'est retourné ici. Hein. Après c'est vrai que sur le papier on aurait donné Vitality gagnant de façon un peu plus expéditive et au final hein, ce beau moins 2 hein, de la part de Seiko Idex qui déverrouille la situation pour le secteur 1 et leur permet cette opportunité d'aller chercher ce BPA. C'est quand même un 5v3 hein. Et c'est 5v3. Un beau 5v3 amorcé clairement. Olizera se fait avoir mid mais après on a quand même un petit kill je crois sur Sender donc un 4v2 et là Iber, hein. Comment Iber l'animal dans la hauteur qui saute à l'opérateur, fait un kill, en fait un autre dans la smoke, ramasse une vandale, ferme la porte pour le fun. Hein. Il avait aucun besoin de fermer la porte, c'était juste parce qu'il pouvait le faire. Voilà. Et il remporte le 1v1. Et donc, comme prévu, c'est que Tawan est en économie, la souffrance était là. Ils avaient besoin d'enchaîner les runes, et là, il se prend tout, Iber, par contre. Hein. La flèche, le couteau, il est repéré, obligé de se reculer légèrement. Et on continue de faire du A, par contre, que du A pour Sector 1. On est pas loin de son ultimate, hein, du côté de Olizera. Et il déclic ? Y a personne et on voit le joueur et on le surprend. Seiko, l'ouverture et la prise d'espace tout de suite. On va pouvoir fermer cette porte et essayer de planter. Seiko qui a enchaîné en jouant très rapidement sur la hauteur. C'est Iber qui en prend les frais. On enchaîne à travers la smoke, à travers le mur pour Idex. Qu'est-ce que c'est que ce round? La déclic des enfers pour les Sector 1 qui continuent de taper en A et qui s'imposent dans les duels. Ok, pour l'instant ça fonctionne. Tu l'as dit, Seiko qui a retrouvé l'usage de tous ses couteaux ici, qui attend tout simplement qu'un joueur se présente à lui au niveau de la hauteur. Sender pour la short, peut-être éventuellement, et Bonkold qui a peine à avancer. Ouais, ils vont juste essayer de chercher des dégâts. Je rappelle mes robots. Sur des joueurs en plein écho, on va surtout ramasser cet opérateur. Un kill supplémentaire pour Olizera qui laisse tout simplement l'opérateur dans le sillage de sa mort. Sender, la réception éventuelle sur Cupert entreprenant, c'est fait. Mais c'est un barreau d'honneur pour des Vitality qui concède un deuxième round de Sector 1 qui ne devrait pas avoir à le mettre. Ouais, j'ai eu peur encore une fois que les dégâts soient énormes et que du coup on... Bah ça neutralise un peu le gain de ce rune, mais en effet Sector 1 vient de mettre un rune miraculeux ici et parfait pour se relancer. On déclic le A, c'est vrai qu'on a l'impression que les Vitality sont un peu naïfs dans le sens où ils n'imaginent pas que ce soit encore du A, surtout en écho. Et on voit que les Sector 1 ont aussi déjà montré à deux occasions dans ce match et bien qu'ils aiment bien faire pression middle avec des flèches, des couteaux, des drones, etc. pour jouer une extrémité. Donc là, clairement, je pense que Iber, quand il se prend tout au début du rune, il se dit attention les gars, moi mid, il doit se passer un truc, peut-être une rapide. Et au final, c'est en A que ça se passe tout. En lenteur autour d'un Seiko en grande forme et avec ses Kunai. Qui marque des kills assez importants. Cupert le couteau ici sur les premières zones de ce main, délaissé pour l'instant par la défense. Vous le voyez, on le joue sur le BP, simple, efficace, une smoke short. On attend tout simplement la présence de ces joueurs au niveau de ce main. Encore du A, encore toujours du A. Ah, c'est lu du coup par Vitality. Bah, au bout d'un moment, ça commence à se voir quand même. Un plan de jeu à la G2, un plan de jeu à la Ascend. Avec par contre Olizera qui joue de l'autre côté avec un confinement qui ne sera pas utile. On met le même fragment tout à l'heure, le fragment qui ne va pas faire le dégât. C'est aussi quoi que si Bonkold et Iber ont l'air d'avoir pris des dégâts. Et là je crois qu'on a pris l'info à base d'ulti pour Idex et ça va rediriger. C'est un bon call, hein, le A, mauvaise idée. Il y a déjà Iber au niveau de ce middle qui pourrait intercepter les joueurs top mid avec ses couteaux. Il n'attend que ça, que les joueurs se présentent à lui. Et on va jouer tout simplement. Il les voit. La carte de la sagesse. Il voit les coups d'épaule. Il y a déjà deux joueurs au niveau de ce main presque, ce main B, et on a rapatrié deux joueurs B tout court. Hein. D'accord. On laisse juste le sauva de Marty qui a mis une petite flèche. On l'envoie un couteau par-dessus. Donc encore une fois, on fake autour des couteaux, on fake autour des outils de prise d'info classiques pour jouer de l'autre côté. Ça sera le B, mais en B, il y a deux défenseurs. Il y a une tourelle surtout qui va détecter la prise d'espace très vite. Hein. Voilà. Ouais, Marty Ligno qui est là hein, pour éventuellement aller chercher la rotation middle. C'est fait. Hein. Ici, ce petit kill peut-être éventuellement. Voilà, sur Iber, c'est bien négocié de la part du joueur sauva des Sector 1. Cupert s'impose sur Sender. La réception de Bonkold n'est pas bonne. C'est pas DJ qui en fera un. Il en casse un second. La réception
est un petit peu bancal. On arrive en fin de chargeur, tout simplement 10 secondes, mais on arrive quand même à poser pour Cooper. C'est un 1v3. Ouais, 1v3. On attend qu'il y ait là pour faire des dégâts. Bien tenté de la part de Badiji quand même, le TP backside pour aider sous le site. On va esquiver le couteau, mais on va se faire avoir. Pas Marty, je croyais que c'était des travers au début, mais je crois qu'il y a un peu de travers et il y a Marty surtout en contre-temps. Double kill pour lui, un top mid, un dans le main. Et Sector One qui négocie bien cet anti-écho. Franchement, ils ont joué sérieux. Voilà. D'habitude, les anti-échos, des fois, ça peut être un peu négligé. Là, pas du tout. On a même investi l'ultimate de Cupert pour être bien sûr de prendre ce BP. Donc, RAS. Et on voit évidemment le dinct de Badiji. S'ensuit par évidemment son exécution de la part de Lizera. On arrive en fin de chargeur. Impossible de faire quoi que ce soit de plus pour Badiji. On régresse à nouveau le BPA alors que c'était un choix peut-être un peu faible hein, de la part de Sector One qui se voit un petit peu bousculé dans cette prise d'espace. Ça continue de la part de Saiko. L'ouverture, le doublé serait salvateur hein, pour le joueur Jet. On cross pour Iber, mais que fait Iber? Iber qui s'offre littéralement à Saiko pour une double élimination. Martilinho, la reprise évidemment sur Sender qui revient une énième fois sur un middle dominé. La réponse des Vitality est muette. Ouais. Difficile cette retake. Débordé trop rapidement là sur le BP. Mais encore une fois, on n'a toujours pas besoin de l'ulti de Lizera. C'est un ulti par round, là c'était celui de Marty qui a débloqué un peu cette explosivité. Et au prochain, on peut imaginer le confinement. Dans la coupe, on a vu ici le caillot qui est en train de se replacer. Et c'est intercepté par Marty, encore une fois très appliqué. Et on sait où est Bonecall. Bonecall qui se prend le 2 balles du round, là, bien joué. Sector One qui passe devant. Ouais, très belle game de Marty individuellement, hein, faut le noter. Et le pari A qui continue de surprendre des Vitality qui agressent hein, rapidement sur le main et qui se font avoir par Saiko. Ce deuxième kill sur Nathan qui était presque trop beau. Et pour contrebalancer, Iver cross la smoke pour essayer de prendre un kill. C'était un peu tendancieux tout de même. Ouais, il faut le dire. Alors, ça serait pas une nouvelle écho, ouais, c'est ça qui est terrible pour Vital. Hein. C'est qu'ils sont dans la spirale infernale. Depuis qu'ils se sont pris cette économie sur le A à base de déclic et de Seiko en double open, bah depuis ce moment-là, c'est un round armé, un round déco, un round armé, un round déco. La pause tactique vient d'arriver. Peut-être histoire de ressaisir un peu les joueurs. C'est vrai que Sector One joue très groupé depuis tout à l'heure. Que de l'extrémité, on n'a jamais pris le middle, on n'a jamais pris la short non plus. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'au moment où tu as envie de dire à Vitality de renforcer les extrémités, de contester peut-être aussi un peu les extrémités, de se battre un peu pour ce main A et ce main B, bah c'est aussi le moment que Sector One pourrait utiliser pour changer de plan de jeu et commencer à exploiter enfin le centre de la map qu'ils ont vraiment délaissé jusqu'à maintenant. Ouais, c'est vrai qu'ils ne le font pas du tout. En même temps, on continue à appuyer sur un BP qui coûte cher à Vitality. On mixe pas d'ailleurs les positions. Hein. C'est toujours Nathan qui est Badiji qui doivent braver ses opposants dans le A. On le renforce tout de même avec la présence de Sender. Sender qui, il faut le noter, sur trois push au niveau du middle, se fait intercepter par Martigno qui est littéralement dans sa tête. Alors, nouveau rune. En économie, les Vitality ont l'air de vouloir bousculer le middle. On va être 2, 3, 4, 5 même au total. Ça va être esquivé toujours par ces Sector One qui tape le A. Le drone ouvre, le drone va voir Sender et Badiji. On essaie quand même de mettre des petits one, mais la smoke arrive au meilleur des timings. Attention du coup à la coupe, il peut être déjà bien avancé. C'est Seiko pour l'ouverture, c'est Seiko qui va plus loin là sur la fenêtre contre Sender. Non, il se ravise. Là c'est Iber véritablement qui pourrait faire quelque chose. Molizera s'arrête au bon moment. Est-ce qu'il va check à sa gauche? Il a l'air, hein. Il a l'air d'être attentif et de n'attendre que ça en fait. Ouais, très clairement. J'ai l'impression qu'on va se jeter sur la ligne d'Olizera. Olizera, la patience qui est récompensée pour Iber qui va pouvoir upgrade sur une Vandale. Martigno sait qu'il y a un joueur dans son bac. Il faut prendre l'information et surtout le gérer avant de gérer les autres. La Recon est bonne, on va l'annihiler, c'est fait. Iber qui ploie les chines et Idex, Saiko, Martigno et Cooper qui vont devoir affronter seulement deux joueurs en écho hein, du côté des Vitality. Lesquels sont absolument annihilés sur la hauteur. Ouais, Marty, ça fonctionne. Hein, quel joueur franchement. Ouais, ouais, Marty c'est... Vraiment en Sova il est ultra impressionnant, il fait un peu tout, alors en fait il est toujours en dernière lame sur le BP, il est toujours dans le main, voilà, on l'a vu aussi couper, mais individuellement il est ultra appliqué, donc c'est vraiment un joueur très complet, et on le voit déjà premier du scoreboard 13-3 avec un Sova, c'est suffisamment rare franchement pour être encore une fois noté, et donc voilà, Vita est de retour avec des armes. C'est maintenant que la pause tactique qui a été prise tout à l'heure doit faire effet, c'est maintenant qu'on doit voir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire autour et eh bien du rune à venir, et ça a l'air de commencer par un mid. Non d'accord, on se ravise pour Iber qui repart tout de suite vers son spawn.
bien, on a peur de la présence de Heaver justement au niveau de ce middle. On va recon pour avoir l'information au niveau des premiers contacts. Heaver qui y retourne et qui prend la tête du siècle sur un travers, il me semble. On va smoke pour ici. Le market, brouiller les pistes. Aucun alarm bot middle, hein, donc il va falloir maintenir cette pression. Oui, j'ai l'impression que c'est à peu près l'idée. Donc très passif au final, les Vita. Je regrette parce que vraiment l'agressivité, c'est ce qui avait fait leur marque de fabrique. C'est ce qui avait fait leur succès aussi. Et là, on les voit, bah, ils n'ont pas le middle, ils n'ont pas le main, ni B ni A. Et donc là, on a un premier temps dans la short qui va arriver. Est-ce qu'on peut tenir pour Nathan qui doit claquer son contre-stuff? Ça sera le fragment pour empêcher toute prise d'espace. On envoie de faire du chasseur défensif, ça va toucher Seiko qui tente de s'en sortir mais il est intercepté par Bone Call qui fait l'ouverture, il hésite pour mettre sa troisième salve, ça sera dans la longue sans toucher et là Killjoy utilise son ultimate. Bah ouais, voilà, on n'a plus de moyen de détruire, le fragment a été claqué par Natank, la fureur du chasseur aussi, c'est un ulti que l'on doit respecter côté Vita mais toujours pareil, hein. C'est un ulti incomplet en A, on peut jouer backside et hauteur. Ouais, ils le savent, Badiji qui prend très très cher ici, Heaver qui met de la pression, Cooper qui va exécuter Heaver et Badiji qui est contraint de repartir. Choc d'art pour tenter d'empêcher le spike d'être amorcé. Ça arrive bien trop tard sur le site. Recon dans une seconde. Bone Cold arrive à marquer cette élimination en temporisant ce sort-ci. Oizira rentre dans l'équation et manque de peu d'en faire une seconde. Hein. Sur Badiji tout de même, le travers de Bone Cold élégant pour une troisième élimination. La coupe de Martinho qui pourrait s'avérer probante ici. C'est fait. Sender est soustrait de l'équation. Recon envoyé pour prendre l'information. Elle est brisée avant que cette dernière ne puisse prendre l'information justement sur ce... Et cancel. C'est du coup, c'était déjà mort, c'était couvert. Ah, c'était bien tenté. Marty qui a un trop gros cerveau pour ses adversaires, je pense. Il s'est dit, je claque l'ultimate, ça va me rush. Quand ça me rush, je serai prêt à les choper avec ma mandale. Mais il a, voilà, il a pensé trop loin, en fait. Il allait trop loin dans sa réflexion. Bien tenté, il faut dire, mais on a envie de lui dire, mais au moins un petit hit. Voilà. Je sais pas s'il avait l'information claire et nette de ses coéquipiers sur le fait que ses adversaires étaient bas en point de vie et qu'un petit hit d'ulti aurait suffi. Et je pense que les Vita eux-mêmes sont en mode, bah, il a pas tiré, bah, trop bien, en fait. Juste on désamorce et on couvre Badiji qui headshot tout de suite. Ouais, c'était. J'avoue que j'ai lâché un petit oh non. J'ai vraiment pensé que, pour une fois, encore une fois, j'ai envie de dire, un peu à l'image de ce que Kray peut proposer sur Breeze avec ses Ultimate Viper, que ça allait être l'originalité qui allait primer sur le reste. Il s'avère que non. Push de ce main. On a repéré Idex qui se fait TP. On va peut-être être dupe et il va pouvoir prendre une élimination. C'est fait. Heaver qui arrive quand même à rééquilibrer la balance avec cette prise de Psycho. Dash out de la part d'Heaver. Ouais, on doit quand même investir la paranoïa. Donc. 4 à 4, mais léger avantage pour Vita vu les dégâts produits sur Idex évidemment. Avec des Sector 1 qui vont. Il retourne, Heaver, il y retourne, Animal, et il va faire son kill, voilà. Il va terminer le boulot. Idex tombe désormais, on essaie d'accélérer autour de l'ultimate de Cooper qui est difficilement suivi par Marty. Marty qui s'en va d'ailleurs. Marty va au spawn. Cooper qui va market. La Killjoy elle va short. On va partout et on est tenu dans le jardin par Sender. Donc ouais, le fait de se séparer ne va pas payer du tout, même pour Marty dans son spawn. Il se fait bien battre ici par Badiji, on va courir, on va aller chercher le dernier joueur qui se bat quand même. Cooper en fait un, il néglige peut-être un deuxième, il essaie de se replacer, il porte le spike d'ailleurs, et on va le respecter côté Bone Cold. 2v3 avec un gros setup Killjoy sur le main et sur le A de manière assez globale. Je pense qu'il y a de quoi le respecter, on peut être honnête avec ça. Badiji qui a quand même un petit peu faim et qui va chercher cette dernière élimination. Attention, la ligne n'est pas forcément en sa faveur. C'est bon, on décale court hein, pour Cooper et on s'offre à la ligne de Badiji. 5 à 5, égalisation de la part des Vitality. Qui ont décidé d'enfin répondre à l'invective des Sector 1 sur A. L'agressivité. Ouais, même côté Heaver, hein, franchement, il retournait. Je pense qu'il a l'information, on lui dit le Omen est bas. Le Omen est bas, vas-y. Tu sais où il est tout seul. Ils sont en train de faire leur prise mid, c'est un bon timing, il se fait confiance. Donc c'est bien d'insister, voilà, d'appuyer là où ça fait mal. Donc bien joué, très bien joué même de la part des Vitals. Les deux derniers rounds sont très convaincants. On a eu très peur ce round d'avant avec ce confinement de Killjoy qui les a repoussés en A, mais la rité qui a suivi était bonne et on profite du petit raté de Marty entre guillemets sur le 1v2. Et là ouais, l'agressivité en effet, qui débloque les open kills, qui permet de prendre des bonnes décisions, qui permet de se mettre tout de suite à l'aise. C'est à Sector 1 donc de douter et de claquer une petite pause tactique. Ouais, on peut le comprendre. L'individualité de Martinho qui ne peut pas tout faire. Et c'est vrai que ben, finalement, quand on joue fort le A, qu'on verrouille le site avec Sender et qu'on peut se permettre de push avec le dash out de Heaver, ça fait vraiment la différence à l'image de ce pistol qui a été disputé, à l'image, on en parlait, hein, de ce match face à Carmine. Comment les Sector 1 vont composer ce 11e round? C'est un pari A manifestement. Ok, ouais, Paria. Alors, faut voir, c'est vrai qu'ils sont pas encore décidés, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a des ultimates? Pas vraiment.
Il y a ceux de Vita qui sont présents. Pour la reprise pour Sender, pour l'agression pour Eber, pour l'information pour Badiji. On verra comment ils vont se servir de ces différents outils. Et là, c'est, voilà, c'est pareil, on fait couteau, on fait flèche, on fait smoke short. Donc ça, c'est l'espèce de fake prise mid, sauf que Eber n'a pas été atteint ni par le couteau, ni par la flèche. Et il peut dire, les gars, middle, il n'y a rien. C'est en A que ça va se passer. On est deux dans le main ici pour Nathan qui va détruire le drone. Ok, il va se prendre le TP, la flash, il est complètement pris en respect. Il doit repartir et claquer encore une fois son anti-stun. Ok. Idex qui tente de surprendre avec sa ligne sortie 20 qui ne trouvera personne. Badiji à la réception, il localise Seiko, l'exécute, c'est bien fait. On a toujours une paranoïa pour flash en bas de la part de Nathan pour essayer de l'aider. Justement, la réception de Nathan qui est tout à fait adéquate. Idex qui vient coucher ce dernier dans un système de revenge, c'est un 3 contre 3. Ouais, on les a tenus pour l'instant. L'espace n'est pas pris et les smokes disparaissent. Iber traverse d'ailleurs, il va choper un Cooper stuff en main. Enfin, cut en main, qu'est-ce qui se passe? Paranoïa qui est bonne, on va essayer d'en décaler par au-dessus. C'est bonne que ça pose, il y a encore un VA et c'est Sender. C'est quoi ce round? Des trade kills tout le long, les Vita qui viennent choper leurs petits kills qui se font battre et à ce petit rythme ils ont quand même un léger avantage parce que c'est eux à chaque fois, c'est eux qui font ce premier kill qui leur donne un petit avantage. Très léger ceci dit. Ouais, très léger. On revoit le full de comment de Iber qui va arriver. Un kill trade là. Après, et là, Iber qui met un kill et qui continue à full alors qu'il est paranoïa. Trade. C'est trade. Et ça a été ça tout le long du round. Et Bonne Call qui a failli. Enfin, heureusement que Sender conclut la chose et qu'on a l'information sur Olizera. Ouais. Parce que c'est vrai que Bonne Call cross la smoke un petit peu rapidement sur la hauteur. C'était chaud, mais très bon trade kill d'Evita. Ouais, bah, rien à dire là-dessus, ça tient. Et c'est déjà le dernier round. On a investi les coups, on a investi les ultimates. Et les snipers de chaque côté. Push middle ici pour Badiji. Il va aller au bout des choses. Il y a un robot d'alarme qui l'attend. Et il y a Idex en contrôle. Le robot d'alarme n'est pas respecté. On le longe et on rentre dans la ligne d'Idex. Le contrôle qui paye. Allez, la ligne ici, c'est bon. C'est l'élimination pour Seiko. C'est déjà un moins 2. On soustrait les smokes et le dueliste hein, des vitalités de l'équation. Juste en contrôle, voilà. Très simple. La très patience, simple. On tient les lignes. Et c'est là, bah, voilà, cette histoire d'agression. Ouais, on aime bien, mais... Ça trouve parfois ses limites. Peut-être parce que c'est fait de manière minimaliste aussi. Hein. Balidji, il va vraiment très loin. Vraiment tout seul, vraiment sans stuff. Un peu pareil pour Iber, qui reprend ce main sur timing. Et on a ce confinement. Il est déjà revenu, le confinement de Lizera. Ouais, Nathan que... Il y a un repère. Il n'a pas de stuff, non. Donc on doit le respecter. Mais encore une fois, il y a un espace où on peut être. C'est dans ce coin. Et bah oui. C'est, on l'a déjà vu. Hein. Déjà, au dernier confinement, c'est comme ça. Mm-hmm. On avait bien préfire la hauteur. On avait bien check en dessous. Voilà, c'est les deux zones qu'il faut check sur ce confinement. Donc là, c'est très bien fait. Et la reprise de Sender et Nathan, qu'elle va être délicate. Mais on a toujours aussi le confinement de Sender qu'on va pouvoir essayer d'utiliser pour bah, la tenter, hein, bien sûr. Ouais, évidemment, on marque une présence au niveau de cette hauteur. Justement, on envoie, on foule de toutes parts. C'est protégé par la perspective. Idex qui prendra l'information. Il y a un seul joueur. L'autre est certainement au niveau de la charte. C'est complètement vu. Et on a Rective, le fragment du côté de Nathan qui sera intercepté par Kupert. 6-6. Là, le problème de Sender, c'est qu'il s'est dit bah, ils ont un repère pour casser mon confinement quand je le mets dans le jardin. Je vais tenter de le mettre hauteur, sauf que hauteur, il peut se faire wall. Soit par le sol, soit par les murs. Et on a bien vu que les joueurs se sont impliqués et ont fini par le détruire. Donc voilà, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce round? C'est le contrôle de Idex et de Seiko. Leur patience pour punir ces Vitality qui vont un peu de manière individuelle, peut-être, c'est ça le souci, mais qui vont à l'agression sur des phases trop minimalistes. Et on a au final un beau match ici. Hein. 6-6, c'est très équilibré, plus que prévu en tout cas. Ouais, clairement. Très clairement, on va avoir un shérif dans les mains de Seiko. Je ne sais pas si Iber va faire le même pari. C'est la question que je me pose. Comment ils vont jouer? Du côté de Sector 1, certainement un push hein, au niveau de ce middle. Vous le voyez, à deux. Est-ce qu'on a une paranoïa du côté de Idex? Non. Bien sûr que non. Ouais. On va le push sur... La question aussi. Hein. Sector 1 qui a la même idée que les Vita sur le même pistol. Face à la grosse. Okay, la tank à longue distance avec le gosse qui fait le triple kill ici. Gros travail de sa part. Ouais. On continue du côté de Seiko. Pression exercée de la part de Sender qui va pouvoir bot. Attention à ne pas en faire trop. La tourelle repère un joueur, si ce n'est Sender lui-même. Et on va pouvoir attendre. On se relocalise hein, au niveau de ce BPB. On arrive par le main seulement maintenant. On imagine une présence middle. Donc c'est un 2 contre 2 sur site. Attention hein, tout de même. Débordement. On a localisé un joueur dans la smoke. Peut-être un deuxième. Sur le fate, ça pourrait coûter très cher à Sector 1. La première élimination tombe. Olizera manque de peu. Une seconde ici à la Shock Dart. Il marquera une élimination tout de même sur son homologue. Et là, ça a l'air d'être la Shock Dart de trop. Voilà, Olizera qui sera couché par Bonne Cold. T'es jamais en sécurité dans une smoke contre Vita. Hein. Ils étaient tous en train de tirer à l'intérieur ou d'attendre la sortie. Bien fait ici, Vita qui a tenu contre l'agression, ça commençait bien quand même pour Sector 1.
avec l'open kill évidemment, mais là c'est le ghost, les headshots, headshots et après des hits qui suffisent pour terminer le boulot. Même là il est mort vivant et c'est encore de bons dégâts qui sont proposés, donc un bon pistolet du joueur français de Vita. Alors, c'est à noter. On revoit la choc d'art létale. Et on repart sur un second round de second side pour Vitality avec un pari fantôme dans les mains de Balidi. Dédicace à toi, Renaud. Exactement. On va voir ce qu'il arrive à faire avec. On joue à cache-cache du coup. Main B. On confie à Cupert le A en mode t'es une ward. Voilà, t'es une ward vivante. Et là, c'est quoi? C'est un balai qu'il nous propose backside. C'était ultra synchro là sur le coup. Ouais, j'ai vu. Trop bizarre. C'est Vitality a contrôlé et c'est fini. Au niveau du contrôle, ils vont taper le B. Est-ce qu'on va être suffisamment appliqué? Là, il suffit d'une bonne flèche, d'un bon couteau, et on peut vite comprendre le poteau rose. Hein. Donc, c'est un pur pari qui nous est proposé par Sector One sur cette économie. C'est vrai que les flèches backside, c'est assez rare, mais c'est assez clutch. On va tromper un peu l'adversaire en envoyant une smoke hein, du côté de Badidji. On y va en déclic, on y va en contre-nature, on se dit « Ah, c'est bizarre, il n'y a rien ». Et on avance, et là on commence à se dire mais il y a vraiment rien, et c'est la tourelle et le couteau qui va trouver tout le monde. Il y a 4 joueurs et maintenant on va mettre le stuff et on va surtout mettre les balles dans les têtes. Et bonne call des Balidji qui vont se gaver ici sur les joueurs backside. La bonne intuition, le couteau parfait, on l'avait collant. Ouais, très clairement, si c'était pas la recon c'était forcément ça. Et le piège hein, des Sector One qui s'effondre sur lui-même, seulement un fragment pour Cupert. Et l'espoir d'un classique, on entend Balidji non loin mais on pourra rien faire dessus. On va tout simplement pouvoir save, que dis-je, s'offrir évidemment à au spike et à son explosion ouais. Pour cycler un futur bonus qui va être difficile. Hein. Il y a une fantôme, on n'a pas perdu beaucoup de points de vie, ni du côté de Iber, ni du côté de Sender. Oh, ça va être solide pour Vita. Très solide pour Vita. Ah, par contre, on tourne le dos aussi. Par désespoir. Et c'est donc un flawless, en effet. Rune à venir donc en bonus. On va revoir tout ça, on va revoir le balai, je vais revoir la synchronisation. Genre ouais. Entre non, bah j'ai le seum, vas-y. Et là, le couteau, parfait, on comprend. Et là, par contre, j'ai l'impression que c'est lâcher les chiens. Genre, allez, on va chercher ces joueurs paranoïa, d'accord. C'est la paranoïa qui permet quand même l'agressivité générale, notamment celle de Badidji, qui va jouer sur son propre stuff. Assist pour Nathan, hein. Il a chopé 4 assists, là, juste sur ce rune. Et donc, c'est parti pour le rune anti-bonus. Avec Iber qui a pris une spectre, quand même. Ok, fragment envoyé, Iber qui cross l'espace et qui se fait intercepter de la meilleure des manières par Idex. Pas du Pidex, évidemment, on prend de l'espace aussi du côté de Sender qui se loge déjà au niveau de cette short. Couteau pour prendre l'information et pour mieux les joueurs au contact, on s'avance et on s'offre littéralement à Cupert et à Idex. Ouais, c'est ça, hein, Idex, il fait un triplé qui fait tomber le spike. Sender était en coupe, il va arriver dans le garden, la fenêtre est déjà détruite pour lui. Peut-être un kill de profil de dos à choper, il arrive à s'intercaler entre la Killjoy et ses adversaires. Il en voit un, il ne tire pas, il en cherche un deuxième, il est vu désormais, ça va dash en plus dans le mur et c'est Psycho qui s'impose tout de même. Bien tenté de la part des Vita, voilà, des spectres pour tout le monde, on voulait cavaler, mais on a été tenu en respect par le contre-stuff. Fragment one way dans le main, et c'est ce couteau, hein, le couteau qui arrive pour empêcher le drone de Bone Call de prendre de l'espace et de tirer sa fléchette, ça reste notable. Et Idex en backup rapide, bien sûr. Un bonus concluant et rapide pour ces Sector One qui ne perdent qu'une arme. Alors c'est vrai que Idex n'était pas en backup rapide, il était là dès le début, mais c'est juste replacé hauteur, voilà. Il était contact pour coucher Iber. Et après, il est revenu hauteur pour mettre un peu de distance entre ses spectres et lui avec sa fantôme. Petit avantage forcément pour lui. Recon envoyé, personne sur les premières lignes du middle. Alarmbot hein, déployé justement pour prendre l'information au niveau de cette zone. On joue bas très loin hein, dans ce main pour Bone Call qui se fera coucher par Idex après avoir pris la vie de Cupert. Ouais, 1-1, c'est décent. On remarque ici Seiko qui va se prendre de lourds dégâts à travers le mur. Il essaye tout de même, hein. Il tente sa chance encore et toujours avec ses 71 PD restants. On essaie de prendre un peu la température garage, Olizera a été détecté dans les escaliers, je crois qu'on sait qu'il est tout seul, mais il n'est pas tout seul en vrai, il y a Marty qui bait, et du coup on va se donner un peu, est-ce qu'on est naïf, est-ce qu'on va check? Tout de même, le Sova, c'est qu'on se fait avoir dans la rota, et on check le Sova, mais c'est peut-être un peu trop tard, on sait où il est, et on va pouvoir le dézoner maintenant proprement avec Ilex, il va tenter de prêter main forte, c'est fait dans le middle sur un joueur qui était un peu gourmand au niveau du spawn, Badidji, ici on y va en marchant dans la ligne de Marty, on se replace autour d'Idex pour ce qui est désormais un 2v1, Vita vient de laisser filer le rouge, Sender pourrait t'amener tout ça. Mais non, c'est un TP Idex. À la Idex, il l'a fait ici, il aime trop ce TP en plein milieu de rien. Il espérait que sa paranoïa touche son adversaire et l'assourdisse pour pouvoir se TP à son insu. Là c'est raté, hein. Et très raté. Non en mais plus, hein. C'est pas Houdini quoi, faudra lui dire un jour. C'est un 2v4 en plus, c'est un 2v4, ouais, c'est en train de le faire. Marty en fait 2, Idex en fait 1. Et sur le 2v1, bon bah Sender appliqué sur le premier. Et là voilà,
Là, bon, là le replay, il est dur quand même. Ouais, la prod, pas sympa, franchement. Pas ouf, pas ouf. Ah, oh, il y a un petit tibag en plus. Ah, ça, on va le retrouver sur Twitter, bah, je crois. Voilà, hein, BG, le joueur lituanien. Push middle aussi, au niveau du coup de l'attaque. Hein, Vitality qui arrive rapidement. Avec une smoke pour évidemment camoufler la short. Oh, Psycho qui prend un énorme 2 balles de la part de Heber. Et on cherche le robot d'alarme ici. On le trouve pas pour l'instant. C'est raté, mais bon, Datang va vite s'en rendre compte maintenant. Il rentre dedans, attends, c'est bon, c'est détruit. Nouvelle ouverture pour Badiji, on contrôle short. Il a pris son initiative en fait, il l'a même pas contrôlé, il l'a juste décalé. Et on va pouvoir maintenant prendre l'espace sur ce A. Ouais. On comprend qu'il n'y a personne, c'est un rune minimaliste Sender. Pour Vita qui a juste capitalisé sur ses ouvertures et qui laisse Sender en coupe. Ouais, le push middle qui a permis à Sender de se déposer. Il va peut-être pouvoir entendre hein, simplement ses joueurs au niveau du CT. Non, il concède se rendre les Sector 1 et conserve 3 armes. 7 à 10, pardon, 10 à 7. Alors, couteau, en prise d'info, petite pression aussi, mais on va save hein, bien sûr. Et Sender peut plus ou moins le dire, c'est vrai que ça marche encore. Les Sector 1 qui vont se remettre à l'arrière du site, c'est leur pose préférée, j'ai l'impression. En écho, on les a vus à 4 là-bas. Dans le round juste avant, c'était un 2v1 où les deux étaient backside. Là, regardez, ça va repartir save au même endroit. Ils kiffent trop en fait, ils kiffent trop le backside B, c'est leur zone quoi. C'est leur safe zone. Sauf qu'on va être repéré vite fait par Heber. Ok, Martigno est acculé, on envoie Olizera du coup cross le trottoir. Icon envoyé, ça pourrait créer la différence ici, on pourrait faire tomber des armes supplémentaires, on les repousse bien les joueurs de Vita. Et on va pouvoir conserver ces trois armes, attention à Heber, tout de même à pas vouloir trop croquer, et voilà, c'est Sender qui en paye les frais. Ouais, bon après c'est pas trop grave pour les Vita hein, de perdre des armes à ce stade, c'est ok tiers, même si Sender va descendre à 0 ici pour pouvoir s'équiper. 10 à 7, donc avec ses armes sauvegardées, les Sector 1 savent qu'ils peuvent être encore dangereux. Seiko va probablement drop, on va peut-être jouer une orbe pour lui, enfin l'achat va être bancal forcément, mais on a toujours ces trois armes qui peuvent créer une certaine différence. Donc timeout pour eux, c'est le deuxième je crois les Sector 1, le deuxième et donc dernier du temps réglementaire. Vita qui creuse l'écart petit à petit, qui n'a perdu dans ce side d'attaque que l'anti, que le bonus, donc vraiment rien de dramatique. Et là, il pourrait vraiment enfoncer le clou assez violemment avec ce 18e round à venir. Ok, bon, comment est-ce qu'on va le composer? Il semblerait qu'il y ait tout simplement trois joueurs, encore une fois, qui dirigent au niveau de ces middle. Sector 1 qui tape sa meilleure pose tactique, on comprend. Depuis qu'on a intercepté les joueurs en A avec ce beau travail de la part d'Idex, il n'y a plus grand chose hein, de la part de Sector 1, à l'image de ce travail au BPB et d'un Idex qui TP de façon intempestive une nouvelle fois. Ok, bon, le spike se dirige au niveau du middle, idem. Ça a l'air d'être un round qui ressemble au précédent, peut-être une phase de contrôle de la part des Vitality, on sait qu'ils en sont friands. Mais à l'inverse, Sector 1 s'engage très difficilement sur des pushes du main B. On va voir en effet, round très important ici pour les deux équipes. Vita pour s'approcher du 12e point et enterrer Sector 1. Et Sector 1 pour eh bien, revenir une fois de plus. On rappelle que le premier side était quand même clôturé sur un 6-6 avec des Sector 1 qui étaient revenus un peu au dernier moment. Donc ouais, on verra bien, ça joue de très très loin par contre. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas un ulti? Ah, il y a l'ulti de Natank. Voilà. Quand il y a un ulti KO, c'est pas rare de voir des joueurs jouer vraiment très très loin de leur position habituelle. Alors là, c'est le Sova. Il a l'air de prendre surtout l'information. Je pense qu'il. Je sais pas, il a peut-être des flèches travaillées, c'est spécial. Dans tous les cas, du coup, c'est beaucoup d'espace. Et donc voilà, l'ulti de Natank et l'accélération. Hein. Ouais, Idex qui pourrait faire beaucoup de choses ici avec son judge. Première élimination sur Natank qui pourrait encore être relevé ici hein, par les joueurs de Vitality pour compenser. On arrive directement du côté de l'Izera. Évidemment, on veut empêcher hein, l'éventuel raise de la part de. Des joueurs Vitality, c'est fait, on clôture ce chapitre-ci. IDX qui ferait une nouvelle élimination, s'il se repositionne à ce moment-là, c'est fait. On va les attendre les uns après les autres. Ici. Bah, ça y est, autant pour moi, my bad. Avec sa Guardian, qui attend tout simplement deux joueurs au niveau de la hauteur. On devine évidemment Uber au niveau de l'Under. Sender qui marque une élimination sur New Zera en coupe depuis le middle sur cette ligne short. On néglige un petit peu le positionnement de Cooper, de Kubert. Flash envoyé, on va pouvoir upgrade du côté de Sender, arriver face à Martigno et grâce à cette pression supplémentaire, Martigno est hégémonique. Tout de même dans ce duel qui se fera trade par Bonne Call en fin de compte, ouais. 11 à 7, on touche à la victoire du côté de Vitality. C'est ça, bon round encore une fois, on leur laisse tellement d'espace, moi c'est ça qui me surprend, tu vois, ils arrivent à prendre le mid sans être vus, à être contact short sans être vus. On a l'impression que tout est laissé libre pour qu'on soit au contact, prêt à envoyer le stuff. Alors oui, il y avait ce judge qui était là pour essayer de faire des dégâts, mais c'est tout de suite trade, on se saisit de l'espace encore une fois sans aucune difficulté. Les différentes reprises des Sector 1, elles
sont désorganisés. On voit bien ici que les joueurs ont beaucoup d'écart les uns avec les autres. Et Sender en coupe, il est giga pénible depuis le début. Ouais, il est toujours dans des bons coups. Il est toujours en train d'avoir beaucoup d'infos et de bonnes intuitions globales. Donc c'est le 11 à 7 et Neko pour Sector 1. Ok, c'est Neko qui sort directement les couteaux, il repère un joueur à sa gauche, il arrivera à l'exécuter, recycle ses couteaux mais stoppé instantanément par Sender. Oh, la belle intervention de Idex qui vient se venger ici. Attends, Idex il a double TP là, je crois qu'il a TP sur la il arrive cabine, dans le back. Et après il a TP derrière, on le retrouve Naruto. Ses moves de fou, alors bon, toujours ça va du 3v3 et on peut pas ramasser les armes, elles sont vraiment loin. On pourra le faire peut-être plus tard, car vous le voyez, Vita redirige à 3 en A sur le setup Killjoy. Ouais, il y a un gros setup Killjoy, au niveau de la short, comme au niveau du main. On va être révélé par cette tourelle, c'est bon. Elle est brisée. Et Olizera envoie ses doubles nanites. Ça serait bien d'essayer d'en faire plus. Il tient à un seul point de vie, attention. Il crosse l'espace, arrivera tout de même à trouver Nathan dans cet énième duel. Iber qui clora les débats en l'éliminant d'ailleurs. Système de retake, on fake plant pour faire venir les joueurs sur la hauteur. Recon envoyé, ça va peut-être réussir à passer en travers. Ouais, ça donne une info et surtout ça gagne du temps pour enfin permettre cet amorçage du spike pour Iber sous la hauteur. On envoie encore un peu de contre-stuff et on voit qu'on n'a pas fait l'effort d'aller chercher les armes côté secteur. On prend de gros dégâts à travers, attention ici. Cupert, 26 petits points de vie, okay. Se prend le kunai en verge, c'est bonne colle qui monte sur les caisses pour aller chercher ce 12e point. La frayeur n'est jamais loin, mais Vita assure ici. Ouais, bon, ça a coûté peut-être un petit peu cher. Iber qui sort les couteaux, certes, mais c'est pour s'octroyer la balle de match. Donc on les pardonne évidemment, on revoit cette action. Regardez bien Idex sur le radar. Première TP. Et là, deuxième TP. Seconde TP, headshot au shérif sur un sender négligent. C'est marrant parce que du coup on s'en rend difficilement compte parce qu'il y a beaucoup d'activités tout autour et que la smoke de base elle est pas délirante parce qu'elle est là pour la tourelle et smoker la tourelle c'est un truc de base donc on n'est pas en mode tiens c'est bizarre cette smoke, il y a peut-être un mec à l'intérieur. Donc bon, beau move mais ça ne suffira pas à créer une vraie différence dans le round. Vita, 12 points, il en suffit d'un seul pour gagner ici et ça passe par une ouverture mais pour Seiko en ligne cassée. Ouais, Seiko qui s'impose, Cooper qui craint de toute façon la présence rapide d'un joueur middle. Vous voyez, il n'y a aucun setup qui a été concluant au niveau de ce mid. L'alarme bot est pour la short sur laquelle joue Idex pour le moment. 4v5, on se masse dans ce main. On va pouvoir le négocier comment se rendre peut-être autour d'un ultimate de la part de Sender. Ok, ça décale nature pour Seiko qui trouve un balidi en plein milieu. On veut jouer un peu contre la nature, mais Seiko en fait beaucoup trop. Là, la troisième décale au bout d'un moment. Il faudrait songer à se calmer. Marty est toujours backside à sa pose favorite. C'est ce qu'on va avoir encore une fois un dézonage propre des Vita. Ça va être maintenant peut-être sur un couteau. Le couteau qui va trouver la présence du Sova. On joue en ligne cassée et on bat ce duel. Très beau kill de la part de Gonkol qui enchaîne même sur Idex dans les escaliers. Amorçage du spike pour Nathan qui est le 2v3 à venir. Ouais, ils sont trop bien. Martinho, c'était tout simplement l'épine dans le pied de ces joueurs de Vitality. Une pression supplémentaire. Regarde, ils ont peur de Sender, ça check derrière. Et Sender il est trop bien, il a son ultimate. Et il le révèle maintenant. Ouais. Et il a une tourelle qui garde évidemment le middle. Donc par son absence, il a gagné 4-5 secondes sur la reprise. Exact. Et par sa présence, il vient d'en gagner 10 de plus. Sauf qu'il va se replacer dans le main. Ouais, il est repéré par la toile, il n'ose pas. Il n'a pas besoin de faire ce move, il se replace sagement avec ses coéquipiers. Allez, Olizera, un ultimate encore, peut-être. Un alarmbot aussi, et on s'offre plutôt à Natank. Bien et Cupert sur un travers, c'est très propre ce que nous propose Vitality sur ce dernier round. Ouais. Et ça fonctionne bien, la preuve en très est efficace, le score. Encore une fois, hein. Franchement, le set d'attaque maîtrisé, pas de soucis, on se traite bien, on n'a pas peur des économies. Donc grosse performance de leur part qui se sortent encore une fois des problèmes et sont dans la course pour être numéro 2. Exactement. Débriefons de tout ça sur le canapé dans une petite minute.